Hello tout le monde les amis, c'est Gillian, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de ZooCraft les amis. Aujourd'hui on est jeudi, attention Safari. Ah bah oui c'est dit, clairement le mec a fait des rimes en i sans faire exprès, c'est incroyable. Donc les amis j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien les amis. Aujourd'hui je suis tout seul, Blast n'est pas là, il est en train de se reposer un peu parce qu'écoutez... certains sont en vacances. Oui, lui est en vacances, moi je travaille. Donc du coup c'est un peu... Il a de la chance, moi j'ai envie aussi. Enfin bref, les amis, aujourd'hui on va en profiter pour écouter partir en safari. On va partir quelque part de très sympathique. On va essayer d'aller écouter dans un nouveau biome. Et on va regarder tout à l'heure sur l'ordinateur. Par contre je viens de me rendre compte qu'on peut plus passer. On peut plus passer quand on n'est pas en game mode. Donc là les amis c'est un peu chaud. C'est un peu tendax. Il faut... Attendez, on est des ninjas ou pas? Hop. Voilà, c'est parfait. Donc les amis, la dernière fois, donc lundi, on avait fait ce magnifique petit enclos pour nos amis les lions, Simba, Nala et Sabrina qui sont juste là. Donc les amis, écoutez, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher des animaux, donc comme le nom Safari l'indique. C'est ce qu'on va faire, donc écoutez, déjà je vais remonter là-haut. Et à notre habitude pour un nouveau safari, bah les amis, on va dans notre tente et on va regarder, écoutez, sur l'ordinateur, qu'est-ce qui pourrait nous intéresser. On va faire un petit coucou à la Pinoux qui est juste là, j'espère que ça va. On va regarder du coup sur l'ordinateur, hop, attention. On va taper, donc apparemment ce qui ressortirait le plus ce serait l'océan. L'océan ça pourrait être vraiment sympathique, sachant que le terrarium est bientôt fini, donc on pourrait partir sur un nouveau bâtiment. Parce que je vous rappelle que le terrarium est juste là. Donc on pourrait partir sur un aquarium et les amis ça pourrait être juste énorme. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc les amis, je vais me préparer et écoutez, bah le bateau est juste là. Comme vous pouvez le voir du coup on est un peu... vider quelques petits endroits. Actuellement on a toujours Dumbo et Emily qui sont juste là, mais on va les rajouter dans une nouvelle zone. On va les rajouter ici dans cet enclos là. Donc comme vous pouvez le voir c'est un enclos plutôt grand et plutôt sympathique. Mais du coup là j'attends Blast pour qu'on bosse dessus. Et ça pourrait être vraiment sympathique. On a toujours Blanquette et Bichette qui sont toujours là. Et les amis ça fait toujours plaisir. Donc écoutez, on va prendre notre magnifique petit bateau qui est juste là, et écoutez, direction l'océan, donc c'est parti. Bon, du coup, on est quand même bien calé ici, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... oui, je pense que... Oui, pêcher, on va éviter, hein, ça serait... Voilà, c'est quand même mieux. Donc les amis, voilà, on se retrouve dans le fameux océan, qui est juste ici, et écoutez, on va essayer de trouver, du coup, des animaux qui pourraient nous intéresser. Donc pour ça, regardez ce que j'ai fait. J'ai créé une petite zone en dessous du bateau pour faire entrer les animaux, donc... sans problème, bien sûr, ils pourront rentrer sympathiquement. Vu qu'ils sont plus petits que moi, ils pourront rentrer. Donc les amis, on va les mettre du coup dans ce petit enclos sous-marin. Mais d'abord, il faudrait que je trouve un peu des animaux. Et ça, c'est une autre paire de manches. Parce que j'en ai pas vu depuis... Franchement, j'en ai pas vu depuis tout à l'heure. Donc franchement, on va voir ce qu'on va trouver. Et ça va être plutôt intéressant. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est bien sûr les requins, les baleines et les poissons. Et peut-être... trouver ça serait bien de peut-être une nouvelle espèce de poisson, des poissons préhistoriques. Ça pourrait se faire, sachant que dans la zone où on est ils devraient en avoir. Ils ont été recensés, donc les amis on va essayer de voir tout ça. Mais bon, ça du coup c'est notre paire de manches, parce que il faut arriver déjà à trouver un poisson. Ça serait déjà bien, non? Déjà les amis, ce qui nous intéresse le plus, c'est déjà poser nos affaires qu'on a en trop, parce que ça sert à rien d'avoir par exemple notre sarbacane ici. À mon avis ce serait un peu compliqué pour capturer des poissons. Donc les amis, on va poser ce qui nous intéresse, ce qu'on n'a pas besoin. On va garder quand même hop, on va poser ça, on va poser notre sac à dos, notre map, nos binoculars aussi, parce que ça va faire trop lourd. On va poser tout ça, je vais juste garder ma hache. Oh, on va récupérer quand même tout ça, hein. On va garder tout ça. Et les amis, on va prendre notre scuba helmet, donc ce qui va nous permettre d'aller dans l'eau sans mourir. Donc les amis, regardez, on va mettre tout ça. Voilà, j'ai actuellement, comme vous pouvez voir, des bonbonnes de gaz derrière moi, et j'ai juste à poser ça sur ma tête. Et les amis, direction l'eau, hop.
Et donc du coup, bon, malheureusement, on voit pas grand-chose. Je vous avoue que c'est un peu compliqué. Mais du coup, on est sous l'eau et on ne risque pas de prendre des dégâts à cause de l'air. Parce que du coup, on est quand même emprisonné. Enfin, on n'est pas emprisonné, mais on est dans ce comment dire. Pas ce scuba, mais comment on appelle ça en français, je ne sais plus. Enfin bon, vous m'avez compris. Mais du coup, les amis, on va essayer de trouver des animaux. Je vous avoue que la tenue est quand même un peu lourde, hein, je vais pas vous le cacher, mais bon, regardez comme c'est beau. Du coup, c'est coraux qui sont vraiment très très jolis. Et qu'est-ce que c'est que ça? Regardez, on va casser tout ça. On a du dry coral, ok, on a des coraux juste ici du coup aussi. Mais je vous avoue qu'on voit pas grand chose, c'est un peu dommage. Bon les amis, je suis remonté à la surface, regardez ce qu'il y a juste devant nous. Je vais aller récupérer, regardez, nos petites lunettes. Je vais vous montrer, regardez, on a un requin qui est juste là-bas. Et on en a un autre qui est juste ici, les amis, c'est n'importe quoi. On a des requins de partout, j'arrive plus à retrouver mes lunettes, non. Ah voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Mais donc du coup les amis, oh là là, il y a même des raies. Il y a des raies, les amis, il y a des dauphins. Oh, les amis, c'est le moment d'y aller. Et écoutez, on va assembler le ship, voilà. Et on va le monter, regardez. Et on va essayer d'aller chercher. On va essayer d'aller chercher déjà les animaux qui sont passifs. Donc tout ce qui est dauphin et les raies. Du coup, ça pourrait être vraiment intéressant d'en avoir. Hop, on va le poser ça juste là. Regardez, c'est parfait. Et on va essayer de... Regardez, j'ai pris mes laisses. Et est-ce que les laisses vont permettre d'aller les chercher? Ça, je ne sais pas du tout. On va passer en dessous. Hop. Donc voilà, il y a des raies juste là. On va remonter sur le bateau, regardez. On va faire une technique. Technique que j'ai appris dans mon séjour au Tibet. Regardez. C'est le tac-tac into tac-tac. Donc on fait ça. On chatte. Puis voilà, on a déjà une raie. On a un dauphin qui est juste là, les amis. Il faut faire attention aux requins. Parce que je vous rappelle que c'est... Ah, viens ici! Oui, les amis, c'est bon. Alors déjà, j'ai... Ah, il faudrait que j'arrive à récupérer cette raie là. Au moins ça nous ferait un couple de raies pour l'aquarium, les amis, vous imaginez? Ça serait juste parfait. Regardez, on va essayer d'amener tout ça, on va essayer de les amener. Je crois que j'ai perdu le... Ah non, il est juste là. Oh, il y a même des petits poissons, regardez tout ça. On a des petits poissons qui sont juste là, très très jolis aussi. Alors là par contre, pour les faire entrer, ça va être une autre paire de manches. Ça va être... Ah ouais, parce que du coup... Ah, est-ce que vous pouvez passer par tout hasard? Non? Ils sont trop bas. Oh là! Oula, j'étais limite en train de mourir d'ailleurs. Faut faire attention avec ça. Du coup, ça va être un peu compliqué de les faire monter. Je vais essayer de la faire un peu plus haute peut-être là. Regardez, je vais essayer de la faire un peu plus haute. Alors les amis, regardez, j'ai fait ça comme ça. Donc j'ai réussi à déjà rentrer une raie. Il y a une raie qui est rentrée toute seule. Donc les amis, on va amener ses copines dedans. Ah non, arrête, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Je vous avoue que les raies... Pour l'instant, c'est l'animal le plus compliqué à faire entrer dans tout ça. Parce qu'ils arrivent à passer par-dessus. C'est vraiment compliqué de les faire entrer. Mais bon, pour l'instant, ils sont attachés. Donc, à mon avis, ça devrait bien se passer. On va essayer, du coup, de récupérer notre ami le dauphin. Parce que j'ai pas pu le récupérer. Il a réussi à partir, du coup. Mais bon, je vous avoue que c'est un peu compliqué pour aller récupérer les dauphins. Parce que là, pour remonter sur le bateau, c'est une autre paire de manches. Regardez, j'ai pas envie de marcher sur les raies. C'est un peu compliqué. Hop. On va passer par devant, on va refaire la technique du Mon Shaolin. Hop, on va regarder. Oh, il y a des dauphins qui sont juste là. J'aimerais bien avoir un dauphin quand même. Oh, il y a des petits poissons. On a des plus petits poissons. Ah, c'est des piranhas. Il y a des piranhas dans l'océan. J'ai jamais vu ça, moi. What the fuck. Quel est cet océan incroyable. Première fois de ma vie que je vois ça. Donc du coup les amis, on va avoir énormément d'animaux à ramener, énormément de poissons à ramener, parce que là, juste en voyant les requins et tout, déjà c'est compliqué. Et là je me dis pourquoi Blast n'est pas là, parce que il pourrait, n'empêche, m'aider. Ça pourrait être juste énorme. Les amis, en tout cas, il y a quelque chose, je m'étais renseigné par rapport à ça. J'avais pris des cours un peu dans un certain zoo et j'avais réussi à dompter un dauphin et je pouvais monter sur son dos. On va essayer de refaire pareil. On va essayer. Oh, attendez. Il faut pas que j'avais réussi. Attendez. Hop. Oh, les amis. Je suis dessus. C'est compliqué. Ah, il veut... Allez. C'est compliqué, regardez ça, non. Il m'amène super loin. Arrête, qu'est-ce que tu fais? Il m'emmène super loin, le dauphin. Reviens. Flappy, reviens. Les amis, attendez. Faut que j'essaye de...
de le capturer. C'est vraiment compliqué. Hop. Donc c'est un peu comme un cheval, hein. Ça s'apprend facilement, mais c'est vraiment compliqué pour... Allez Michel. Non. On s'éloigne de plus en plus du bateau, les amis. Non, allez. Allez, viens avec moi, s'il te plaît, sois gentil. Emmène-nous vers le bateau, sinon. Je te laisse tranquille, mais tu nous emmènes vers le bateau. Est-ce que ça te va? Non, t'aimes pas, non. Les amis. Enfin, ai-je perdu tout mon talent? Je crois que, les amis, j'ai perdu tout mon talent au niveau du montage de dauphin, écoutez. il m'aime pas. J'essaye, mais c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Les amis, j'ai réussi, regardez. J'ai enfin réussi. Oh, les amis, c'est nickel. On va l'appeler Flappy, écoutez. On va l'appeler Flappy. On va monter sur Flappy, regardez, Flappy. J'avais pris des poissons au cas où. Et donc, du coup, oh là là, les amis, je ne vois plus du tout bateau. C'est une très très mauvaise nouvelle. Sachant que Flappy... Non, Flappy, reviens. Les amis, je me suis perdu. Je crois qu'il y avait cette île tout à l'heure vers là où on était. Mais bon, du coup, il va pas énormément vite. Je vous avoue que Flappy... regardez, j'avais pris 64 poissons. Il en a mangé 24. Je comprends qu'il ait du mal. Mais bon, en tout cas, il va nous servir pour capturer les... pour capturer les poissons. Regardez, on a un poisson. On récupère le poisson. On va essayer d'en trouver d'autres. On en a un autre juste ici. Ça, on dirait des espèces de saumons. On a retrouvé le bateau. Il est juste là. Hop, regardez, juste là, c'est nickel. On va récupérer les poissons, les amis. Regardez, on dirait des carpes un peu ou des saumons. Oui, peut-être, je ne sais pas. Donc, on va essayer d'aller vite récupérer. On va vite à notre bateau. Regardez, il y a vraiment des. C'est vraiment très très beau ici. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a même des méduses. Les méduses, on va éviter pour l'instant. J'ai pas envie de devoir me faire pipi dessus. Oh là, les amis, on est entouré d'un banc de méduses, il faut faire attention. Faut faire attention à pas leur passer dessus. Les poissons vous passez. Ah, les poissons ont l'habitude à mon avis. Oula, le piranha. Le piranha qui le oula. Les amis, il y a le piranha, il m'a vu. Oh, mais il nous court après. Regardez. Non, pas ça. Les amis, il y a un piranha qui est juste derrière nous. Regardez, c'est n'importe quoi. Il nous veut. C'est n'importe quoi. Enfin bon. Oh là là, what the fuck. C'est abusé. Bon, du coup, on a réussi à trouver pas mal de petits animaux là pour l'instant. On a même un ami dauphin. Donc, les amis, je pense que l'aquarium va être vraiment super joli. J'ai pas mal d'idées. Il faudrait que j'en parle avec Blast aussi à ce niveau-là. Regardez, on va attacher les poissons juste ici. C'est parfait. Du coup, on a des poissons, on a des raies. On a plein de choses. C'est excellent. C'est nickel. Donc, les amis, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et toi, viens ici. Viens. On va t'attacher là, ok? Voilà. Au moins, c'est nickel. On a pas mal d'animaux. Et ça fait plaisir. Donc, comme vous pouvez le voir, il manque juste des petits requins. Mais là, ça va être un peu compliqué à ce niveau-là. Je pense que... De toute façon, on va faire deux épisodes hein, dans cet océan. Parce qu'il y a énormément de choses à voir dans les océans. Comme vous pouvez voir, on a les coraux qui sont juste ici. Mais aussi, des fois, on a des bateaux pirates qui sont cachés un peu partout. Et il faudrait réussir à en trouver. Parce que peut-être, il y aurait des choses intéressantes à trouver à l'intérieur. Peut-être des trésors qui pourraient nous avancer sur le mode de Jurassic ou de Jurassic Craft ou autre. Mais bon, du coup, ça pourrait être vraiment pas mal pendant que je suis sur mon dauphin de qualité qui est extrêmement gentil avec moi. On va lui donner un petit poisson. Viens, Flappy, mange un peu. Tiens, voilà, on va lui donner 10 poissons en espérant que ça lui fasse plaisir et qu'il mange un peu plus. On va le faire rentrer, regardez. On va le mettre juste là. Flappy, j'ai pas besoin de l'attacher parce qu'à mon avis, il tient bon. Donc du coup... Non, Flappy, viens. Oula, il a pris des dégâts. Allez, viens, Flappy. Laisse-moi te nourrir. Flappy. Voilà, Flappy va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est nickel. Allez, hop. Bon, les amis, je pense que je vais ramener déjà les petits animaux que j'ai trouvés juste ici. Parce que là, il commence, comme vous pouvez voir, à pleuvoir et c'est pas très très bon pour nous, même si c'est meilleur pour la pêche déjà. Mais bon, notre but ici, ce n'est pas de pêcher. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais bon, du coup, on va essayer de ramener tout ça. Je vais essayer de leur faire des enclos. Ça pourrait être plutôt sympathique. Donc, les amis, on se retrouve directement donc au zoo pour la construction des quelques petits enclos qu'on a à faire. Allez, à tout à l'heure.
Donc voilà, les amis, on se retrouve. J'ai ramené nos fameux petits amis qui sont juste ici, voilà, avec les petites raies qui sont juste là. Regardez comme elles sont belles. C'est un peu bizarre parce que quand je les ai ramenées, elles se sont transformées en raies marron. C'est un peu bizarre. Donc les amis, écoutez, aujourd'hui, là, on va bosser sur les petits enclos des, enfin pas sur les enclos, mais là où on va ranger. Donc du coup, nos amis. Nos amis les petits poissons du coup qu'on a capturé juste maintenant. Et écoutez, on va juste les stocker à un endroit et on va essayer de faire quelque chose de plutôt sympathique parce que malheureusement, comme vous le savez, je pourrais pas les ranger tous d'un coup. Donc je me suis dit, je vais me mettre en game mode 1 parce que sinon ça va être vraiment trop long à faire. Donc les amis, regardez, on va faire à mon avis quelque chose de sympathique. Déjà un espèce de petit barrage. Regardez, on va faire ça. Quelle est l'idée du bloc? C'est 112. On va faire ça. Hop, on va essayer d'être droit jusqu'à ici. On va faire 7, 7, 112. Au moins, ça vous fait un peu de build en même temps pour ceux qui aiment bien le build. Et comme vous pouvez voir, même si certains aiment beaucoup aussi le safari, ça mélange un peu les deux. Donc, c'est plutôt cool. Écoutez, on va bloquer tout ça. Tout ce qu'il y a derrière, c'est pas très très grave. Hop, on va faire une espèce de petite porte. On va casser des blocs juste ici. On va essayer de faire un truc plutôt grand parce que c'est quand même un endroit où on pourra ranger, j'espère, des baleines. Ça pourrait être énorme d'avoir des baleines, les amis. Je vous avoue que ça pourrait être vraiment super cool. Donc écoutez, oula, mauvaise pioche. Hop là, boum. C'est nickel. On va rajouter des petites iron bars un peu partout pour protéger quand même nos animaux pour pas qu'ils se fassent attaquer parce que ça serait vraiment chiant qu'ils se fassent attaquer par les braconniers de la dernière fois. Donc écoutez, on va les caler ici, on va faire quelque chose de plutôt joli. On va essayer de faire pourquoi pas une petite arche pour faire quelque chose de plutôt sympathique encore une fois. Mais je vous avoue que ouais, ça pourrait être vraiment pas mal de mettre nos petits poissons, dauphins, requins dans l'aquarium. Ça pourrait vraiment faire quelque chose de plutôt joli. Et j'ai vraiment hâte de faire tout ça parce que écoutez, c'est vraiment c'est pas un endroit, mais c'est un bâtiment que j'attendais énormément. Donc j'ai vraiment hâte de voir comment on va pouvoir faire tout ça. Hop, on va mettre aussi quelques petites glowstones un peu partout. Voilà, même le sol, on pourrait le remplacer, par ce qui est en 112. De toute façon, dans tous les cas, c'est du plastique, donc je pense pas que ça dérange plus que ça. Parce que c'est... Et toi, qu'est-ce que tu fais là, toi? Genre, mais les amis, on se fait... les dinosaures, ce dinosaure-là, à chaque fois, il est tout le temps là. Et regardez, il se tape plein de couches, c'est n'importe quoi. Il...